Donc, dans ce premier chapitre, nous allons faire une introduction générale à la théorie des jeux ainsi qu'à ses concepts fondamentaux. Donc, nous allons... Voilà, nous allons commencer par un peu d'histoire. Alors, dans l'échange de lettres entre Blaise Pascal et Pierre Fermat sur la théorie des probabilités, c'est-à-dire la théorie des chances, qui ensuite a été abordée par Émile Borel, et à partir de là, on a commencé à s'intéresser au cas des jeux. À partir de 1921, on a commencé à s'intéresser au cas des jeux, et on a écrit un certain nombre de papiers où ils ont introduit le formalisme mathématique de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie des jeux. Par la suite, von Neumann et Oskar Morgenstern ont publié en 1944 Theory of Games and Economic Behavior. C'était le premier livre où ils ont donné les idées de base de la théorie des jeux, surtout en appliquant à l'économie. Maintenant, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment, bon, quoiqu'elle est devenue une évidence en économie ou en politique, elle trouve de nouvelles applications, par exemple en intelligence artificielle, dans la théorie des multi-agents, dans la biologie et plus récemment en informatique de manière générale. On peut l'appliquer dans les méthodes de vision par ordinateur, on peut l'appliquer dans la cryptographie, dans les théories algorithmiques des jeux et on peut même l'appliquer dans la cryptanalyse, c'est-à-dire pour développer des méthodes pour faire de la cryptographie. On peut l'appliquer aussi dans les vérifications de preuves, etc. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée d'où c'est venu cette théorie des jeux. Au fait, elle est née à partir de la théorie des probabilités qui lui a donné naissance et qui a été appliquée au départ en économie. Ensuite, au fur et à mesure, elle a gagné du terrain dans toutes les sciences pratiquement, en informatique très récemment, et c'est devenu un outil d'aide de décision, même dans les réseaux, etc., dans la sécurité informatique, sécurité réseau. Hein. Là, je ne parle pas de la cryptographie, je parle de la sécurité réseau, etc. Donc, elle trouve un vaste champ d'application. Dans notre cours, nous allons nous intéresser particulièrement à la modélisation d'un jeu sous forme normale. On va s'intéresser aux dominances, à l'équilibre de Nash, aux extensions mixtes. On s'intéressera aux jeux prudents, aux optimums de Pareto, au niveau de sécurité, etc. Et en fin de ce cours, on s'intéressera à la modélisation du jeu sous forme extensive. Et on verra que tout jeu sous forme extensive peut se transformer ou peut être modélisé en un jeu sous forme normale. C'est pour ça qu'on traitera dans le plus important de ce cours, la forme normale. Alors, on ne peut pas définir correctement la théorie des jeux si on ne définit pas c'est quoi une interaction stratégique. C'est-à-dire que vous allez voir souvent quand on va vous demander de modéliser ou de modéliser un exemple ou un exercice, vous allez remarquer d'abord que la chose la plus importante à déterminer pour faire votre modèle, c'est de regarder les interactions stratégiques. Donc, c'est quoi une interaction stratégique? C'est une situation qui représente certaines caractéristiques. On va dire c'est quoi? D'abord, il faut qu'il y ait un certain nombre d'entités, individus, entreprises, gouvernement, ça peut être même des entités fictives, c'est-à-dire qui n'existent pas réellement, comme par exemple dans le cas de réseau, on peut créer deux joueurs. L'un, c'est celui qui a conçu le réseau et l'autre, celui qui veut craquer ou qui veut craquer le système. Donc, même les entités peuvent être fictives. Elles ne sont pas obligées d'être réelles. Ce n'est pas forcément des individus, ce n'est pas forcément des entreprises, ce n'est pas forcément des gouvernements. Les joueurs ou les entités qui ont une interaction stratégique peuvent être, ils peuvent avoir beaucoup d'imagination, elles peuvent être n'importe quoi dans un modèle de jeu.
Maintenant, le deuxième point, c'est l'ensemble des décisions qu'on doit prendre, l'ensemble des décisions qu'on peut prendre, c'est-à-dire des stratégies, ce qu'on appellera les stratégies ou bien des actions. Donc, quand on a une interaction, on a forcément des entités qui sont en train d'interagir les uns avec les autres, et on a aussi, chacun d'eux possède un nombre d'actions qu'il peut faire. Ces actions-là, on les appelle les stratégies. On verra plus tard qui sont la base de notre modèle de jeu. On peut rajouter aux stratégies le hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui vient, qui peut se passer sans qu'on puisse la contrôler. Ou bien, on peut la contrôler en lui ajoutant ou en la menant d'une probabilité de réalisation. Donc, ça, c'est le deuxième point sur lequel repose une interaction stratégique. Maintenant, le troisième point très important, c'est que ces entités-là, qu'on appellera des agents ou bien des joueurs, doivent avoir des préférences sur les issues possibles. C'est-à-dire, dans l'ensemble de leur action, ils doivent avoir une action meilleure qui préfèrent par rapport à une autre. Pourquoi? Parce qu'elle leur ramène quelque chose de plus important, qui les arrange le plus. On verra plus tard que cette préférence, on va lui associer ce qu'on appelle la fonction d'utilité. C'est-à-dire, pourquoi je préfère cette situation ou cette stratégie à cette autre? Peut-être parce qu'elle me coûte moins, peut-être parce qu'elle me rapporte plus. Donc, avant de définir la notion de jeu ou de la théorie des jeux de manière exacte, on a besoin de définir une interaction stratégique. Donc, l'interaction stratégique, c'est là où on a un certain nombre d'entités, c'est-à-dire les joueurs, ce qu'on appelle communément les joueurs. Le deuxième point, c'est l'ensemble des décisions prises, qu'on appellera les stratégies ou bien les actions des joueurs, qu'ils ont le droit d'effectuer ou dont ils possèdent la priorité pour pouvoir les utiliser. Et le troisième point, c'est que ces agents ou bien ces joueurs doivent avoir des préférences sur les issues possibles, c'est-à-dire qu'ils préfèrent que ce soit cette situation sortie plutôt que cette autre. Pourquoi? Parce qu'elle leur amène, elle leur amène quelque chose qui leur permet de préférer ça. Est-ce que c'est clair? C'est quoi une interaction stratégique? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? J'espère qu'ils m'entendent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, d'accord. Vous m'entendez, donc je peux continuer. Maintenant, à partir d'une interaction stratégique, on doit rajouter un autre point très important, c'est que l'agent doit être rationnel, c'est-à-dire qu'il doit préférer les décisions ou bien les situations qu'il doit choisir toujours parmi ses actions, les décisions qui lui permettront d'avoir l'issue qu'il préfère. D'accord? L'issue qu'il préfère. Donc, on suppose toujours qu'un agent doit être rationnel, mais qu'il doit être aussi, qu'il doit se plier à ce que font les autres. Il doit savoir que le fait d'avoir choisi cette action ne va pas forcément lui donner une situation qu'il préfère. Cela dépend aussi de ce que vont faire les joueurs avec qui il est en interaction. C'est-à-dire que si nous sommes dans un jeu, si je choisis la carte, par exemple le roi, si je suis en train de jouer un jeu de cartes tout bête, tout simple, si parmi mes cartes, je choisis la carte du roi ou bien de la dame, il faudrait que je fasse attention à ce que mes concurrents ne vont pas choisir un as, par exemple. Donc, ma décision, je dois la considérer ou je dois considérer le fait que ma décision ne va pas forcément mener à l'issue que je veux. Cela dépendra aussi du comportement de mes adversaires. Donc, l'issue d'un jeu, elle dépend de l'action d'un joueur, comme elle dépend aussi de l'action des autres joueurs. Comment vont se comporter les autres joueurs? Donc, là, on peut définir c'est quoi la théorie des jeux. Donc, la théorie des jeux permet une analyse des problèmes posés par l'interaction stratégique d'un ensemble d'agents rationnels
poursuivant des buts qui leur sont propres. Donc, j'ai un ensemble d'agents, ils sont tous rationnels, ils veulent tous avoir une issue qui les arrange le plus. Ils disposent chacun d'eux d'un ensemble de stratégies ou d'un ensemble d'actions. Ils doivent choisir parmi leurs stratégies celles qu'ils vont adopter pour arriver à une issue de jeu qui leur est favorable, sachant que les autres éléments qui sont avec dans le jeu, les autres joueurs peuvent aussi prendre des décisions qui leur seront propres et à partir de là, il va y avoir une issue du jeu. Donc, dans ce cours, on va surtout s'intéresser à cette issue du jeu. Comment, à partir de certaines données, à partir d'un certain nombre de joueurs, d'un certain nombre d'actions, d'un certain nombre de préférences, que va être l'issue de ce jeu? Alors, on va donner un petit exemple tout bête, tout simple que vous rencontrez tous les jours. Je présume si vous sortez dans la rue, surtout aujourd'hui avec le Covid, ça devient de plus en plus, ça a plus de sens. Donc, on suppose que deux personnes sont en train de marcher dans une rue qui est ou dans un trottoir, dans une rue dont le trottoir, il est très, très, très petit, c'est-à-dire il est étroit. Et supposons que ces deux personnes ne pas se heurter. Donc, bien sûr, chacun d'eux a une préférence, se heurter, ne pas se heurter, bien sûr, ne pas se heurter. Il a le choix entre d'aller à gauche ou bien d'aller à droite, n'est-ce pas? Chacun des deux joueurs a une action, il peut aller à gauche ou aller à droite. De même pour le joueur adverse. Donc, regardez, cette situation toute simple, toute bête, elle peut être considérée comme un cas de la théorie des jeux. Pourquoi? Il y a deux personnes, ce sont les deux joueurs. Elles ont deux actions chacun. Je peux aller à gauche comme je peux aller à droite. Et quelle est la préférence de chacun? C'est de ne pas se heurter. Et donc, cette situation-là, elle peut être une situation de la théorie des jeux. Bien sûr, une issue du jeu, de ce jeu-là, évidente, c'est que si l'un va à gauche, l'autre va à droite, et vice-versa. Si l'un va à droite, l'autre va aller à gauche. Donc voilà un exemple simple où il y a une interaction stratégique. Pourquoi? Parce que toutes les conditions de l'interaction stratégique sont vérifiées, à savoir un nombre de joueurs, un nombre d'actions et des préférences sur les issues de jeu. Donc là, c'est un exemple qui vous illustre un petit peu, ce qui vous illustre un petit peu comment on peut définir une situation d'un jeu. On peut aussi, par exemple, rajouter le port du masque. Ça, je l'ai rajouté dernièrement, cet exemple. Supposez que vous portez un masque dans la rue. Et les joueurs, c'est quoi? C'est vous et les autres êtres humains qui sont dans la même rue que vous. Ou bien vous êtes dans une salle, dans une classe. Le jeu va être défini comment? C'est vous et vos camarades qui sont dans cette salle. Alors, si vous portez ou vous ne portez pas le masque, ça dépendra, c'est votre choix. Ça, c'est les actions que vous avez le droit de faire, ou vous portez votre masque ou vous ne le portez pas. On peut rajouter d'autres actions intermédiaires, par exemple le porter convenablement, le porter à moitié, etc., etc., faire semblant de le porter, etc. Maintenant, les issues du jeu, c'est quoi? Les issues du jeu, c'est que vos préférences, les préférences de chaque individu, c'est quoi? C'est qu'il ne soit pas contaminé, c'est qu'il ne va pas ramener la maladie. Et donc, ça, c'est une issue du jeu. Maintenant, ça, c'est des préférences. Quelles sont les issues du jeu? Les issues du jeu, je porte le masque et dans l'ensemble où je suis, il y a deux tiers des personnes qui ne le portent pas. Je ne porte pas le masque et il y a un tiers qui le porte et deux tiers qui ne le portent pas, un quart qui le porte, trois quarts qui ne le portent pas, etc. Donc ça, c'est des issues du jeu. Ça, c'est les issues du jeu. Maintenant, quel est mon gain? Quel est mon gain par rapport à l'issue? Peut-être que si moi je le porte et je ne suis pas contaminée alors que les autres ne le portent pas et parmi eux, il y a une personne qui est contaminée, je risque d'être contaminée. Et dans ce cas-là, mon gain peut diminuer. Maintenant, si dans toute la salle, tout le monde porte le masque, c'est une issue du jeu possible, tout le monde porte le masque et même s'il y a des personnes contaminées, je reste gagnant, ça va être le gain ou ce que je vais avoir comme utilité.
Est-ce que vous avez compris les deux exemples? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît, est-ce que Oui? vous pouvez reprendre le gain? Je n'ai pas vraiment compris l'exemple du masque. L'exemple du masque, le gain. Donc, supposez maintenant que une issue du jeu, parce que le gain, on va voir qu'il dépend de l'issue du jeu. L'issue du jeu, c'est quoi? C'est un vecteur ou c'est un ensemble de stratégies adoptées par moi et par mes adversaires. Donc, dans un jeu, par exemple, il y a quatre adversaires. Il y a quatre adversaires, chacun d'eux a des actions portées ou ne pas portées. Donc, l'issue du jeu, par exemple, à la fin, une issue, c'est quoi? C'est, par exemple, le premier joueur, il part, le deuxième joueur, il ne porte pas, le troisième joueur, il porte, et le quatrième joueur, il ne porte pas. Donc, au fait, vous allez avoir deux personnes qui portent et deux personnes qui ne portent pas. Ça, c'est une issue du jeu. Le gain par rapport à cette issue, c'est quoi? C'est que ça se peut que la personne qui ne porte pas est contaminée. Et elle va peut-être contaminer même les personnes qui le portaient, même si c'est à faible dose. Donc le gain ici, ça peut être moins 1, moins 2, moins 50. Par exemple, s'il a été réellement contaminé, ça peut être moins 50. Ça peut être moins 2, moins 3, peut-être qu'il a été légèrement touché par le virus, etc. Donc le gain, au fait, c'est ce qu'on gagne à partir de l'issue du jeu. Je vous donne un exemple plus simple. Vous êtes en train de jouer aux cartes avec un adversaire. Vous gagnez lorsque vous avez une carte supérieure et vous perdez. Donc, vous gagnez 1 lorsque vous avez une carte supérieure et vous avez moins 1 lorsque vous avez une carte qui est inférieure. Supposez que vous avez mis, par exemple, un as de carreau et votre adversaire a choisi un 8 de pique. Là, vous avez gagné. Là, vous avez gagné parce que vous avez l'as, donc vous avez gagné. C'est quoi le gain ici? C'est 1 pour vous et moins 1 pour votre adversaire. Maintenant, le gain en ce qui concerne le port du masque, c'est est-ce que vous êtes contaminé ou à quel degré? C'est ça, si on cherche. Parce que le gain n'est pas forcément quelque chose de positif. Le gain, il peut être négatif. Et quand le gain est négatif, ça voudrait dire que vous avez perdu, en quelque sorte. Mais on l'appelle toujours fonction de gain ou fonction d'utilité. Vous avez compris? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Donc là, je vous donne quelques exemples d'applications. Par exemple, les jeux de société. Pourquoi on les appelle théorie des jeux, même si on l'applique en politique, on l'applique en informatique, on l'applique ailleurs? Pourquoi on l'appelle théorie des jeux? Parce que l'exemple évident de l'application de cette théorie, c'est les jeux. Donc, il y a les jeux de société. Il y a les traitements d'images et visions par ordinateur dans des méthodes de segmentation de reconnaissance ou d'attribution de classification. Il y a les situations économiques, politiques ou sociales. Par exemple, dans les politiques ou sociales, par exemple, dois-je travailler, faire semblant? Il y a les enchères de vote, il y a les stratégies militaires, il y a les partages de ressources et de marchandages. Je peux l'appliquer. Social, comme je viens de le citer dans le port de masque, par exemple. On peut le faire dans l'optimisation du routage réseau. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de travaux dans l'optimisation du routage réseau. Il y a dans la sécurité réseau. Et donc, on a beaucoup, ou bien dans les réseaux de capteurs. Donc, on a beaucoup appliqué la théorie des jeux dans les réseaux. On l'a aussi appliquée dans la visualisation des données ou dans la vision par ordinateur. On l'a énormément appliquée ces dernières décennies. C'est même pas ces décennies, c'est ces dernières années, carrément. C'est les 2, 3 dernières années. Et on l'applique toujours dans les jeux de société, dans la conception de jeux. Dans la conception de jeu, on applique toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on applique la théorie des jeux parce qu'on cherche toujours à savoir quelle est la stratégie gagnante et comment est-ce que j'optimise de telle sorte est-ce que le PC gagne toujours. Si je conçois un jeu, j'aimerais bien que les gens soient toujours pratiquement perdants. Et donc, on l'applique toujours dans la théorie des jeux, dans la conception des jeux vidéo récemment. On l'applique énormément. Ça, c'est les domaines d'application. Donc, en résumé, c'est quoi la théorie des jeux? Donc, c'est une boîte à outils en même temps qu'un mode opératoire, une puissante méthodologie. Donc, c'est une manière de régler des problèmes de décision
ou bien de concevoir des problèmes ou bien de concevoir des problèmes pour résoudre dans des jeux de société ou en informatique de manière générale. Maintenant, je vais vous donner les questions et les mises en garde avant d'entamer le cours de la théorie des jeux. Donc, on a dit qu'un jeu est un modèle d'interaction stratégique. On l'a appelé jeu parce qu'on l'applique surtout dans les jeux de société. Donc, tous les jeux de société peuvent être considérés comme étant des interactions stratégiques. Et les exemples ou bien les modèles qu'on va concevoir, en général, s'inspirent des jeux. C'est pour ça qu'on l'appelle la théorie des jeux. Maintenant, les questions principales, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, comment modéliser mathématiquement les interactions réelles? Ça, c'est la première question à laquelle on fera face. C'est-à-dire, en général, je vais vous donner un problème. Je vous dis, bon, il y a deux sociétés, deux entreprises, deux personnes qui veulent gagner. Il y a un problème d'ascenseur, etc. Il y a plein de problèmes qu'on va voir. Et donc, c'est des situations réelles. À partir de ces situations réelles, on va essayer de modéliser le jeu, c'est-à-dire de créer un modèle de jeu. On verra qu'il y a plusieurs manières de modéliser le jeu d'une manière mathématique. On verra qu'il y aura une manière qui est normale, il y aura une manière qui est extensive. Maintenant, la question qu'on se posera aussi, que peut-on dire de ces modèles? C'est-à-dire, quels sont les bons concepts de solution et sous quelles hypothèses ces solutions possèdent-elles des bonnes propriétés, existence, unicité, etc. C'est-à-dire, parfois, on crée un modèle, mais qu'en créant ce modèle, on ne connaît plus l'issue du jeu, ou néanmoins, on ne connaît pas quelle est la meilleure issue du jeu. Donc, le modèle reste à étudier, à évaluer, selon les hypothèses et les solutions possibles. Maintenant, la pertinence du concept mathématique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je fais un modèle par rapport à une situation donnée, est-ce que ce modèle, il est fiable? Est-ce qu'il a bien traduit la situation? Est-ce qu'il a mal traduite? Donc, là, c'est la pertinence des concepts mathématiques. Donc, surtout, on s'intéressera dans ce cours à la deuxième question, c'est-à-dire, quelles sont les issues du jeu? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'elles sont uniques? Et comment peut-on les déterminer en utilisant des méthodes mathématiques? Et on verra plus tard comment est-ce qu'un jeu modélisé de différentes manières peut induire des situations très, très différentes. Maintenant, là toujours, j'explique comment on simplifie le jeu, un jeu réel, c'est-à-dire un problème réel, comment nous allons le simplifier. On peut le simplifier, mais il ne faut pas être excessive, c'est-à-dire il ne faut pas éliminer tous les cas possibles. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Quand on a le jeu, on verra plus tard, le jeu du penalty. Le jeu du penalty, c'est un jeu où il y a le joueur, bien sûr, et il y a le gardien. Dans les pénalties, vous savez bien que le joueur doit marquer et le gardien doit arrêter la balle. Et donc, il doit empêcher le joueur de marquer. Ça, c'est un jeu très simple où si on va simplifier de manière excessive, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a un gardien, il y a un footballeur, un joueur, il va aller ou à gauche ou à droite. Le gardien lui aussi va aller ou à gauche ou à droite. Et ils ne vont pas se mettre d'accord, bien sûr, parce que l'un veut attraper la balle et l'autre veut marquer le but. Ça, c'est une simplification de la situation qui est excessive. Pourquoi? Parce que réellement, il y a un footballeur qui a peut-être mal à la gauche, à la jambe gauche et donc qui peut tirer la balle de manière optimale dans le côté gauche. Il y a peut-être un gardien qui a mal du côté droit, par exemple un mal. On peut en créer d'autres. Il y a le vent, il y a le vent, il y a la fatigue du joueur, il y a le réflexe, il y a son expérience, il y a tout ça qu'on peut faire rentrer dans le modèle de jeu. Et donc, une simplification excessive, c'est de dire qu'il y a deux joueurs en bonne santé qui peuvent aller tous les deux du côté gauche, du côté droit, et qui peuvent tous les deux n'avoir que des situations, parce que réellement, ce n'est pas le cas. Donc, un modèle de jeu mathématique
peut simplifier de manière excessive la réalité. Donc, il faut faire attention à ne pas simplifier de manière excessive. Il faut toujours faire attention à ce que le modèle de jeu soit pertinent et à ce qu'il garde toutes les propriétés de la réalité. D'accord? Maintenant, on va donner quelques problèmes où il faut regarder. Bon, les gens, j'ai remarqué en général, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de gens aiment bien appliquer la théorie des jeux, mais ils oublient l'interaction qu'il doit y avoir. C'est-à-dire, je ne peux pas appliquer la théorie des jeux si je ne vois pas l'interaction. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples où il y a une différence entre les deux. Par exemple, vous êtes tout seul, là j'ai donné l'exemple d'un film, ça peut être un livre. Vous êtes tout seul, vous avez une bibliothèque et vous voulez choisir un livre ou bien vous voulez regarder un film. Vous êtes seul, là, il n'y a pas d'interaction. Là, ce n'est pas un problème de la théorie des jeux. Vous êtes seul, vous pouvez choisir le livre que vous voulez ou bien vous pouvez regarder le film que vous voulez. Vous êtes libre, vous êtes seul, il n'y a plus d'interaction. Dès qu'il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de théorie des jeux. Vous êtes deux. Vous voulez lire un livre en même temps, par exemple, vous êtes dans un groupe de lecture où les gens doivent lire le même livre, ou bien vous êtes un ensemble de cas d'amis, vous allez voir un film, là, il y a une interaction. Parce que là, il y a des gens qui veulent regarder quelque chose et d'autres pas, comme dans la lecture, il y a des gens qui veulent lire certains livres et d'autres pas. Donc, s'il n'y a pas d'interaction et si vous n'arrivez pas à cerner l'interaction, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas définir votre modèle de jeu. Ceci d'une part. D'autre part, parfois le jeu, vous êtes amené à un jeu où vous n'êtes pas, forcément un agent. C'est-à-dire, vous êtes poussé par les circonstances à devenir un agent dans un jeu. Par exemple, si il y a une annonce d'une pénurie d'essence, mais qui n'est pas réelle, qui est peut-être une rumeur. Bien que vous ne faites pas partie du jeu, c'est-à-dire vous n'êtes pas censé y croire, vous serez obligé d'aller remplir la cuve de votre voiture. Et là, si chacun des joueurs va aller remplir la cuve de sa voiture, on va créer une interaction stratégique et on va forcément créer une situation où la théorie des jeux peut intervenir, non pas parce qu'il y a une réelle pénurie d'essence, mais tout simplement parce que tous les gens vont aller remplir et vont créer une pénurie qui est secondaire, c'est-à-dire qui n'est pas réelle. Donc, tout problème de jeu est lié à une interaction stratégique. Et cette interaction, elle peut être directe, comme dans le cas de regarder un film ou de choisir un livre, comme elle peut être secondaire, c'est-à-dire que vous y êtes amené sans que vous soyez un réel acteur de la situation. Maintenant, la théorie de décision ou bien de jeu modélise le choix d'un agent face à plusieurs alternatives. Si le choix ne dépend pas des autres, il devient un problème d'optimisation. Si le choix dépend des autres, il devient un problème de la théorie des jeux. D'accord? Il devient un problème de la théorie des jeux. Maintenant, on va voir aussi comment on peut représenter les préférences de jeu. Pour représenter les préférences de jeu, on est obligé de définir ce que je reviens à ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est la fonction de gain ou bien la fonction d'utilité. La fonction d'utilité, c'est une fonction qui va me permettre de savoir dans n'importe quelle issue du jeu, quelle sera, quand je dis issue du jeu, c'est-à-dire mon choix et le choix des autres. D'accord? Quand je dis issue du jeu, ça veut dire le choix du joueur I et le choix des autres joueurs aussi. Donc, dans une issue du jeu, on doit associer une fonction d'utilité. Cette fonction d'utilité, qui est à variable réelle, va représenter ce que le joueur I va gagner, ce que le joueur I va gagner. On peut aussi avoir cette fonction d'utilité qui dépendra, qui ne va pas être de manière déterministe, mais qui peut aussi être d'une manière probabilistique. C'est-à-dire, on peut aussi la calculer en utilisant la fonction d'espérance mathématique, en nous disant, par exemple, c'est pas exactement l'issue du jeu,
mais l'issue de probabilité de réalisation de chacune des actions. C'est-à-dire, il y a une action qui peut être réalisée à une probabilité 1/2. Une autre action qui va être réalisée à une probabilité 1/2, etc. Donc, si on regarde l'issue du jeu à laquelle on a associé des probabilités, il va aussi y avoir une fonction d'utilité qui va être calculée à partir de la première fonction d'utilité qui est définie de manière déterministe, c'est-à-dire sans probabilité, en utilisant la fonction d'espérance mathématique. Bon, même si ce point-là, pour le moment, n'est pas très clair, vous allez voir par la suite qu'il va être très clair parce qu'on va l'appliquer. D'accord ? Même si vous avez du mal maintenant à voir comment une action est probabiliste et une action et n'est pas déterministe, ce qui va être sujet de ce cours, vous allez par la suite voir comment on peut calculer une fonction d'utilité même dans le cas probabiliste, c'est-à-dire même dans le cas où les actions ne sont pas déterministes. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter jusque-là ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair ? Pour le moment, ça va ? D'accord. Donc, je vais continuer. Alors, on va définir c'est quoi les préférences rationnelles. On a dit tout à l'heure que lorsqu'il y a un jeu, les joueurs doivent être rationnels, ils doivent avoir des préférences. Maintenant, leurs préférences doivent être rationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'à partir de leurs préférences, je peux construire une fonction d'utilité. Parce que si leurs préférences ne sont pas rationnelles, on verra qu'on ne pourra pas construire de fonction d'utilité. Je vais vous définir c'est quoi une préférence rationnelle. Donc, soit X, un ensemble d'alternatives. On appelle ça alternative ou bien d'action ou bien de stratégie. D'accord ? On verra surtout le mot stratégie qui va se répéter. Donc, soit X, un ensemble de stratégies. On définit une relation de préférence sur X, notée supérieure ou égale, toute relation binaire sur X vérifiant certaines propriétés. Donc, une relation binaire, ça voudrait dire chaque fois que je vais prendre deux éléments de stratégie, quand j'ai affaire à deux stratégies ou deux alternatives, chaque fois que je vais prendre deux alternatives, il faudrait que je définisse une relation de préférence entre ces deux stratégies. Bon, il y a certaines notations, par exemple, de dire que X est supérieur ou égal à Y signifie que l'agent préfère l'action X à l'action Y ou bien l'alternative X à l'alternative Y. On écrira aussi X supérieur ou égal à Y bar. Ça voudrait dire que l'action X n'est pas préférée à l'action Y. On dira que l'alternative ou l'action X est équivalente à l'action Y si et seulement si X est préféré à Y et Y est préféré à X. Donc, au fait, elles sont égales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence significative entre X et Y. Maintenant, on dira que X est strictement supérieur à Y si et seulement si X est préféré à Y, mais Y n'est pas préféré à X. C'est-à-dire qu'il préfère strictement l'alternative X à l'alternative Y. Bien sûr, X équivalent à Y va être interprété comme étant l'agent est indifférent à l'action X ou à l'action Y. Donc, une relation de préférence faible doit vérifier certains axiomes pour qu'elles soient rationnelles, pour qu'on puisse dire que ces préférences-là sont rationnelles. Il faudrait qu'elles vérifient certaines conditions qui sont les suivantes, la complétude et la transitivité. Qu'est-ce que ça voudrait dire, la complétude? Ça voudrait dire que pour tout couple XY, si je prends n'importe quel l'ensemble des alternatives de l'agent, si je prends X l'ensemble des alternatives de l'agent, chaque fois que je peux prendre un couple XY, il faudrait que je puisse comparer X à Y. C'est-à-dire, est-ce que X est préféré à Y ou bien est-ce que c'est Y qui est préféré à X, ou bien est-ce qu'il est indifférent à X à Y, mais il faudrait toujours que j'ai un moyen de les préférer, d'accord, de préférer l'une à l'autre. Maintenant, la transitivité,
c'est que de les comparer. Il faudrait que j'aie un moyen de les comparer. Même si l'agent est indifférent par rapport à X et à Y, il faudrait que j'aie le moyen de les comparer. Maintenant, la transitivité, il faudrait que si l'agent préfère l'alternative X à Y, il préfère l'alternative Y à Z, il doit préférer l'alternative X à Z. Il doit préférer l'alternative X à Z. Donc, il y a la transitivité et la complétude. Donc, lorsque vous avez un ensemble d'actions ou d'alternatives associées à un agent qui est un joueur, il faut pour que ces préférences-là puissent être rationnelles. Pourquoi est-ce que je cherche à ce qu'elles soient rationnelles? Pour que je puisse par la suite leur associer une fonction d'utilité, un gain. Pour que je puisse leur associer un gain. Donc, pour qu'elles soient rationnelles, il faudrait qu'elles vérifient deux conditions qui sont la complétude. Je répète, c'est quoi la complétude? Il faudrait que chaque fois que je prenne X, Y, un couple de stratégies ou un couple d'alternatives de l'agent, il faudrait que je puisse les comparer. C'est-à-dire, il faudrait que je sache est-ce que l'une est préférée à l'autre ou bien est-ce qu'elles lui sont indifférentes. Maintenant, la deuxième condition, c'est la transitivité. C'est-à-dire que si j'ai affaire à trois actions, si X elle est préférée à Y et Y préférée à Z, il faudrait que X soit préférée à Z. Maintenant, à partir de la fonction de cette représentation rationnelle, on va par la suite définir la fonction d'utilité. Donc, on va définir c'est quoi la représentation ordinale, pardon, des fonctions rationnelles. Donc, supposons que pour comparer les alternatives de l'agent X, il dispose d'une fonction d'utilité à variable réelle. Donc, s'il dispose d'une fonction d'utilité à variable réelle qu'on va appeler U, il a pour chacune de ses alternatives une fonction. Donc, il connaît la valeur de X, il connaît la valeur de U de Y, il connaît la valeur de U de Z, etc. Et donc, à partir de là, c'est sûr qu'il pourra avoir une préférence rationnelle. Il suffit qu'il préfère celle qui a la valeur la plus grande s'il est dans le sens croissant ou bien la valeur la plus petite s'il est dans le sens décroissant. Maintenant, si on parle de temps, si on parle de temps, plus U, la fonction U est petite, mieux c'est intéressant. Et donc, ça peut aussi être dans le sens positif ou négatif. Hein, d'accord? On peut dire qu'il préfère X à Y si seulement si une X est supérieure ou égale à U de Y ou vice-versa. Donc, à partir d'une fonction, d'une représentation ordinale, on peut avoir une préférence rationnelle. Maintenant, la question qu'on se pose, bon, je vais vous annoncer une proposition et je vais vous poser la question. Donc, si j'ai une fonction U définie de l'ensemble des alternatives vers R, je peux toujours avoir une préférence rationnelle sur l'ensemble X. Je peux toujours avoir une préférence rationnelle sur l'ensemble X. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Donc, la question est, si j'ai une préférence rationnelle sur un ensemble X, est-ce que je peux définir une fonction d'utilité qui va être une représentation ordinale ou une fonction d'utilité qui lui est associée? Donc, la question est, si j'ai sur un ensemble X un ensemble d'alternatives, si j'ai sur un ensemble X un ensemble d'alternatives, une préférence rationnelle, comme on l'a défini tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire une préférence rationnelle? Il y a une complétude et une transitivité. Si j'ai ces deux conditions vérifiées, est-ce que je peux définir une fonction d'utilité? Eh bien, le théorème répond à la question et il dit que la réciproque est vraie, c'est-à-dire ceci est possible lorsque l'ensemble est dénombrable. Lorsque l'ensemble est dénombrable. C'est-à-dire que si j'ai un ensemble dénombrable, un ensemble dénombrable, c'est un ensemble que je peux étiqueter en utilisant n. Il peut ne pas être infini, il peut être, ne pas être fini, hein. Il peut être infini. C'est juste que j'ai le droit de l'étiqueter en utilisant n, 2, 3, etc. Donc, un ensemble dénombrable, c'est un ensemble que je peux dénombrer. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels est dénombrable. L'ensemble des chaises dans un bureau est dénombrable. Par contre, l'intervalle 0,1, on analyse l'intervalle 0,1 sur la droite réelle, il n'est pas dénombrable. Donc là, on est en train de vous dire que si l'ensemble des préférences
et dénombrables, et si j'ai une relation de préférence rationnelle, alors je peux définir une fonction d'utilité. Voilà ce que dit le théorème. Maintenant, arrivé à ce théorème, je vous donne un devoir maison. Je devais me le rendre dans une semaine et je vais créer une Google Classroom sur laquelle vous allez déposer ce devoir. Donc, le devoir je vais vous demander de démontrer ce théorème. Parce qu'il ne va pas utiliser, le théorème, il n'est pas difficile. Hein. Il va utiliser juste des idées que vous connaissez déjà, des concepts que vous connaissez déjà. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de démontrer ce théorème et de me le remettre dans la Google Classroom que je vais créer pour vous d'ici la semaine prochaine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je vous ai demandé de faire? Oui, d'accord. Donc, vous prenez, faites attention aux devoirs. Hein. Ça m'est arrivé déjà dans les masters insécurité au premier semestre. Faites attention aux devoirs. Les devoirs sont corrigés et notés. Et je les comptabilise. Hein, comme on n'est pas en présentiel, je ne vous vois pas. Donc, je comptabilise ces devoirs. Donc, vous devez faire vos devoirs et me les rendre. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui? Est-ce que c'est clair? D'accord? D'accord. Donc, vous essayez de démontrer que lorsque vous avez affaire à un ensemble dénombrable sur lequel vous avez... je suis en train de vous expliquer. Hein, d'accord? Ah, je vous explique c'est quoi le dénombrable. Le dénombrable, c'est un ensemble que je peux étiqueter en utilisant des entiers naturels. C'est-à-dire que je peux séparer les éléments, 1, 2, 3, que je peux dénombrer, 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, un ensemble fini, il est forcément dénombrable. Un ensemble fini, il est toujours dénombrable. Parce qu'un ensemble fini, il contient un nombre fini d'éléments. Par exemple, dans une bibliothèque, l'ensemble des livres dans une bibliothèque, il est dénombrable. Et du moment qu'il est dénombrable, il est fini. Et du moment qu'il est fini, il est dénombrable. C'est-à-dire, je peux lui associer des étiquettes 1, 2, 3, etc. On peut le dire d'une manière mathématique, c'est lorsque je peux définir sur cet ensemble une application qui va de cet ensemble dans l'ensemble des entiers naturels. D'accord? C'est ça, un ensemble dénombrable. Je vous ai donné un contre-exemple. L'intervalle 0,1, l'intervalle 0,1 dans la droite réelle n'est pas un ensemble dénombrable parce que je ne peux pas prendre tous les points dans cet intervalle et leur étiqueter 1, 2, 3. Ils ne sont pas dénombrables. D'accord? Donc, un ensemble dénombrable, c'est un ensemble sur lequel je peux définir une application de cet ensemble dans N. D'accord? De cet ensemble dans N. Maintenant, que vous dit le théorème? Il vous dit que lorsque X est un ensemble dénombrable, et si j'ai une relation de préférence faible définie sur X, une relation de préférence rationnelle faible définie sur X, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une relation qui est complète et qui est en même temps transitive. Qu'est-ce que ça veut dire complète? Ça veut dire chaque fois que je vais prendre un couple de stratégies, je peux toujours les comparer. Je peux toujours savoir est-ce que celle-ci est meilleure que celle-là ou bien est-ce qu'elles sont équivalentes. Et de même, il faudrait que ce soit transitif, c'est-à-dire que si je préfère une action à une autre et une autre action à une autre, il faudrait que celle qui est préférée au départ soit celle qui va être toujours préférée à celle qui est en dernier. Donc, si j'ai défini sur cet X qui est une fonction faible, il faudrait que je puisse définir une fonction d'utilité, peut définir une fonction d'utilité qui coïncide avec cette relation. Autrement dit, lorsque je préfère X à Y, il de A U de Y. Est-ce que c'est clair ce que je viens? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, je peux passer. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas votre chat. Si vous me parlez avec des messages, je ne vois pas en général. Je vois en tardivement. Vous pouvez parler, hein, vous avez le droit de parler. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de dire maintenant?
Alors, là, je vous donne un exemple qui vous permet de faire le théorème, donc qui vous permet que vous voyez comment on va démontrer le théorème. Regardez, vous avez par exemple une personne qui a le choix entre trois destinations pour ses vacances. Elle peut aller à La Havane, à New York ou bien à Venise. On va dire qu'elle préfère la Havane aux deux autres, c'est-à-dire elle préfère la personne préfère aller à La Havane plutôt que d'aller à New York ou d'aller à Venise, et qu'elle n'a pas de préférence entre les deux destinations restantes, c'est-à-dire pour New York et Venise, elle n'a pas de préférence, elle n'a pas de préférence, c'est-à-dire qu'elle est indifférente par rapport aux deux autres. Est-ce que cette préférence qui est définie sur cet ensemble est une préférence rationnelle? Une fonction de préférence rationnelle. Dans cet exemple, Normalement, la réponse est oui. rationnelle. Normalement, oui. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vais prendre deux, je peux toujours les comparer. Je prends la Havane, par exemple, à New York. Je sais que la Havane est préférée à New York. Si je prends New York et Venise en même temps, je sais qu'il y a pas de qu'elles sont égales. Et donc, elle vérifie la complétude et elle vérifie la transitivité, n'est-ce pas? Elle vérifie la complétude et elle vérifie la transitivité. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que c'est clair? Sur cet ensemble fini qui est contenu, quelles sont ici, quelles sont les alternatives? C'est Havane, New York et Venise. La fonction sur laquelle les préférences qui sont dessus, elles sont rationnelles. La préférence qui est définie dessus, elle est rationnelle. Maintenant, à partir de cette préférence rationnelle, on va définir une fonction d'utilité qui va qui va je vais définir. Qu'est-ce que je vais définir? Je vais, par exemple, donner à la Havane le 2. Je vais donner à New York et à Venise le 1. Et dans ce cas-là, comme la Havane est préférée, donc U de Havane est supérieur à U de New York qui est égal à U de Venise qui est égal à 1. Vous avez remarqué. Donc, à partir d'une préférence rationnelle, si elle est définie sur un ensemble dénombrable ou un ensemble fini, je peux toujours définir une fonction d'utilité qui va coïncider avec cette préférence. Donc, dans le théorème, c'est ça ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire, vous avez un ensemble dénombrable. Du moment que vous avez défini dessus une préférence qui est rationnelle, c'est-à-dire qui est complète et qui est transitive, vous pouvez toujours, à partir de cette fonction, à partir de cette préférence, pardon, définir une fonction. Définir une fonction, comme on l'a fait maintenant dans l'exemple. C'est clair l'exemple? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple? Est-ce que c'est clair? Non? Non, c'est pas clair, Ifa? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Allez-y. Le fait d'avoir défini une préférence rationnelle? La fonction qu'on a définie. D'accord. Donc, au départ, on avait seulement un ensemble d'alternatives, c'est-à-dire une personne qui a des alternatives, c'est le fait d'avoir attribué D, E, 1. On peut attribuer, par exemple, 0,5 et 0,25, ça aurait été toujours correct. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir c'est-à-dire, l'idée, c'est comment attribuer une fonction qui va respecter la préférence. C'est ça, qui va respecter la préférence. On sait qu'il préfère. Non, pas de probabilité. On ne parle pas de probabilité pour le moment, hein. La probabilité, ça va être dans notre exemple. Ici, je ne parle pas de probabilité. Ici, c'est déterministe. C'est-à-dire, la personne va choisir ou d'aller vers la Havane, ou d'aller vers New York, ou d'aller vers Venise, d'une manière déterministe. Elle ne fait pas de probabilité ici, d'accord? Elle ne fait pas de probabilité. Et ça, 2 et 1, ce ne sont pas des probabilités, hein? Là, ce n'est pas dans le cas probabilistique. Ça, c'est dans le cas déterministe, le cas simple. Le cas simple, c'est lorsque le joueur a le choix entre des stratégies qu'il prend de manière déterministe. Par exemple, vous allez de votre maison à l'université de Bepzoa, vous avez le choix entre le train
le tramway ou bien la voiture ou bien vous allez choisir, vous allez prendre cette stratégie de manière déterministe. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous allez vers le train. Vous avez décidé d'aller vers le train. Là, c'est la même chose. On est dans le cas déterministe. On n'est pas dans le cas probabilistique. D'accord? Alors, dans le cas déterministe, la personne qui veut voyager, elle préfère, par exemple, la New York. Oui, allez-y. Oui, allez-y, frère. Allez-y. Et puis même vers mettre 0,5, oui. Exactement, par rapport aux préférences. Exactement. C'est-à-dire là, la fonction, elle est exemple. C'est un exemple, c'est vraiment fortuite. Oui. C'est à partir d'un ensemble. Si j'ai sur un ensemble de stratégies, j'ai une préférence qui est rationnelle, ce qui est le cas ici, elle est rationnelle, ses préférences. Sa préférence à lui. Il a dit, je préfère la Havane à New York, donc je lui donne la même valeur que Venise. Je suis indifférent à New York et à Venise. Donc là, il a défini une préférence rationnelle. Il n'a pas quantifié combien. Il a juste défini une préférence rationnelle. Et à partir de cette préférence rationnelle, on a pu construire une fonction d'utilité. C'est la même chose que le théorème que je vous ai demandé de démontrer. C'est-à-dire, à partir d'un ensemble dénombrable où j'ai défini une préférence rationnelle qui est complète et qui est transitive, je peux à partir de là définir une fonction d'utilité. C'est clair? C'est clair pourquoi je vous ai donné l'exemple? D'accord. Je vous en prie. Donc là, maintenant, je pense que dans la majorité des situations, là, je rentre le cas où je rentre le cas de probabilité. Qu'est-ce que ça dans un jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que j'ai un ensemble de stratégies. Un ensemble de stratégies, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au, par rapport au, vous vous levez le matin et vous allez à l'université. Vous vous posez la question, est-ce que je vais prendre la voiture ou est-ce que je vais aller avec mes parents? Est-ce que je vais prendre le train? Est-ce que je vais prendre le tramway? Est-ce que je vais prendre le métro? Etc. ou le cousse, etc. Donc, vous avez un ensemble de stratégies. Cet ensemble de stratégies, au fait, si vous faites d'une manière déterministe, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, vous vous levez le matin, vous dites non, aujourd'hui je prends le train, c'est sûr. Je vais vers le train. Je trouve qu'il y a une grève de train. Par exemple, il y a une grève de train. Le train est en retard, mon cours commence à 8 heures. Il est 7h30, il n'est pas encore là. Je prends tout de suite une autre alternative. Je vais voir, est-ce que je prends le bus, est-ce que je prends un taxi, etc. Donc, en général, dans la réalité, on ne prend jamais une stratégie de manière déterministe. On la prend toujours avec une certaine probabilité. Donc, en fait, quand vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes dit probablement fortement que je vais aller vers le train. Peu probable que je vais aller vers le cousse. Peut-être que j'irai en voiture. Donc, en fait, vous avez associé à vos stratégies des probabilités. Vous aviez associé à vos stratégies des probabilités. Si on note vos stratégies XEI, vous avez associé à chacune des XEI un gamma XEI. C'est-à-dire, vous lui avez accordé une probabilité d'être exécuté. De telle sorte, bien sûr, à que la somme de toutes vos probabilités est égale à 1. Bien sûr, ce sont vos stratégies, c'est à vous de les faire. C'est sûr que vous allez faire une plus que l'autre, et c'est sûr que vous allez aborder une avec une probabilité supérieure à l'autre. Donc la somme des sigma XEI, bien sûr, est égale à 1. Donc c'est une distribution de probabilité. Là, on est dans le cas probabilistique. C'est lorsqu'on ne fait pas un choix de manière déterministe. C'est-à-dire, je vais vous dire, probablement, je vais faire ça. Mais ceci n'exclut pas le fait que peut-être que je ferai autre chose. D'accord? Donc, dans les situations réelles, on ne fait pas des choix déterministes, mais on fait des choix probabilistes.
en général. Mais pour commencer la modélisation d'un jeu, on est obligé de commencer par le modèle déterministe qui, lui, va nous permettre de définir le modèle probabiliste ou bien ce qu'on appellera mixte, le modèle mixte. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire dans ce slide? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que c'est clair? D'accord. D'accord. Donc maintenant, on va définir c'est quoi une stratégie mixte. Quoique, on va la redéfinir plus tard, mais là, je voudrais au moins que vous ayez une petite idée sur quoi une stratégie mixte. Donc, soit l'ensemble XA, l'ensemble des stratégies de l'agent A, l'agent que nous avons noté A. Une stratégie mixte de l'agent A est une distribution de probabilité de ces stratégies, c'est-à-dire c'est un sigma A défini de XA dans 0,1, vérifiant la somme de sigma A de XI est égale à 1. Donc, une seule distribution probabiliste est une stratégie mixte. D'accord? Donc, imaginez toutes les stratégies mixtes qui existent. Elles sont infinies. Elles sont infinies. Donc, supposez que le joueur a un ensemble de stratégies et à ces stratégies, il associe une distribution probabiliste. Cette distribution de probabilité est une stratégie mixte. Donc, vous imaginez que vous pouvez associer à cet ensemble de stratégies déterministes mille et une distributions probabilistes. Donc, l'ensemble des stratégies mixtes est un ensemble infini. Est un ensemble infini. Donc, même si l'ensemble des stratégies pures, ou ce qu'on appellera déterministe, il est fini, l'ensemble des stratégies mixtes est un ensemble infini. Je vais vous expliquer. Supposez que vous allez vers les trois destinations. On va revenir à la personne Havane, New York et Venise. Supposez qu'il n'a pas peut-être pas assez d'argent pour aller vers la Havane ou qu'il y a quelque part New York, il doit passer par New York pour trouver quelque chose. Bon, peu importe la situation réelle à laquelle il fait face. S'il doit associer à ses choix des probabilités, il peut associer un demi à la Havane, un quart à New York et un quart à Venise. Comme il peut associer, par exemple, 0,33 à la Havane, 0,33 à New York, un tiers, un tiers, un tiers. Il peut associer un tiers à New York, un tiers à la Havane, un tiers à Venise. Donc, regardez, chaque fois que vous allez associer des probabilités, une distribution de probabilités à vos stratégies ou aux stratégies du joueur, vous avez construit une stratégie mixte. Donc, l'ensemble de toutes les stratégies mixtes est un ensemble infini. Est un ensemble infini. Maintenant, on a vu que le gain était fini, ou le gain était bien défini, comme tout à l'heure, le gain de Havane c'était 2, le gain de New York et de Venise était de 1, si on avait choisi la fonction U. Maintenant, quand je fais des probabilités, maintenant peut-être la Havane est à 1,5 et Venise et New York sont à 1/4 chacun. Alors, comment calculer le gain dans ce cas-là? Le gain, il ne sera plus déterministe, il va être une espérance mathématique. Autrement dit, je vais multiplier 1,5 par 2, auquel je vais rajouter 1 quart multiplié par 1 et 1 quart multiplié 1 par 1. Et c'est ça ce qui va être le gain de la stratégie mixte du type 1,5, 1 quart, 1 quart. Donc, pour une stratégie mixte, pour calculer le gain d'une stratégie mixte, je dois le calculer en utilisant les espérances mathématiques. Donc, je dois introduire la probabilité qui a été associé à cette stratégie pour être effectué. Pour être effectué. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ici? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. D'accord. Donc, à partir de là, on va faire un exemple pour mieux illustrer ce concept. Donc, regardez dans cet exemple. Supposons qu'un père dit à son fils, je vais prendre un nombre de jetons au hasard.
Si le nombre est pair et que tu devines que c'est pair, tu vas avoir deux pièces. Si le nombre est impair et tu dis pair, alors c'est toi qui me donneras une pièce, une pièce. Maintenant, si le nombre est impair et tu dis pair, tu me donneras toujours une pièce. Maintenant, si le nombre est impair et tu dis impair, je te donnerai une pièce. Vous avez compris le jeu en lui-même. Donc, il va prendre un nombre de jetons, il va demander à son fils de deviner. S'il devine la parité, justement, si elle est paire, il aura deux, si elle est impaire, il aura un. Maintenant, s'il se trompe dans la parité, il va perdre, c'est-à-dire c'est lui qui doit donner une pièce à son père. Alors, la question que je vais vous poser, quelle est la meilleure stratégie que va adopter le fils et quelle est la meilleure décision à prendre, à votre avis? Quelle sera la meilleure décision à prendre pour gagner de l'argent? Et de même, est-ce que c'est dire père? Mais s'il prend un père, si le papa prend un père, il va quand même gagner, il va quand même perdre une pièce. C'est de dire toujours père. S'il dit toujours oui, s'il dit toujours père, d'après vos camarades, s'il dit toujours père, mais si le père prend un impair, mais si le père prend un impair, il va perdre. Il va perdre aussi. Il va perdre. C'est-à-dire qu'il va perdre, quand même, il va perdre moins un. Mais lui, son objectif, ce n'est pas de perdre, mais c'est de gagner deux pièces au moins. Son objectif, c'est quoi? Quel est son objectif? L'objectif suivi par le fils, c'est ne pas de perdre du tout. Il préférerait plutôt gagner ou deux pièces ou une pièce. Donc, il ne saura pas quoi choisir, à mon avis. Il n'y a pas une stratégie efficace à 100%, exactement. Il y a des stratégies qui minimisent la perte, ou bien qui ont des chances, voilà, qui ont des chances d'avoir plus de... Mais il n'y a pas une stratégie qui soit déterministe. C'est pour cela que dans ce jeu, on va plutôt, même si on regarde les choses du côté du père, est-ce qu'il va prendre un nombre de jetons pair? Est-ce qu'il va prendre un nombre de jetons impair? Donc lui aussi, il va se poser cette question. Est-ce que je vais prendre un nombre de jetons pair ou impair? Lui aussi veut économiser son argent, il ne veut pas donner de l'argent, il veut peut-être aussi gagner de l'argent de son fils. Donc dans les deux cas, il n'y a pas une stratégie qui soit fiable à 100%. Comme l'a dit votre camarade, il n'y a pas une stratégie qui soit fiable à 100%. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer, qu'est-ce qu'ils vont faire chacun d'eux? Ils vont associer à leur stratégie des probabilités. Ils vont associer à leur stratégie des probabilités. C'est-à-dire, ils vont, pour le fils par exemple, il va dire, je vais attribuer la probabilité P à annoncer pair, et donc la probabilité M-P à annoncer impair. De même pour le père, il peut dire, je vais prendre un nombre pair de jetons avec une probabilité Q, et donc une probabilité M-Q pour le nombre de jetons impair. Donc, chacun d'eux, il va pas prendre la décision déterministe, mais il va prendre une décision probabiliste. Peut-être P, je vais dire. Et peut-être avec une probabilité M-P, je vais dire impair. Et le papa, de manière équivalente, il va dire que peut-être avec une probabilité Q, je vais prendre un nombre pair de jetons. Et avec une probabilité M-Q, je vais prendre un nombre impair de jetons. Et donc, la fonction gain qui était au départ 2 pour le fils, c'était 2, moins 1, moins 1 ou 1. Elle va changer et pour le père, c'était moins 2, 1, 1 ou moins 1. Elle va changer d'une autre manière. Elle va avoir un autre aspect. Elle va être définie à partir, regardez, à partir de P et de Q. Donc, elle va dépendre du choix de P et du choix de Q. Elle va dépendre de la probabilité associée au fait de choisir pair avec P et pour le papa de choisir pair avec la probabilité
Donc, dans ce cas-là, comment on va réfléchir? On va réfléchir en utilisant l'espérance mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, de toutes les façons, pour le fils, où il va prendre, pardon, excusez-moi, où il va prendre la probabilité P, où il va prendre la probabilité P, n'est-ce pas? Et donc, on aura une espérance mathématique, c'est-à-dire où il va y avoir P, où il va y avoir M-P. Pour le P, qu'est-ce qui va arriver? Il va annoncer père. Du moment qu'il va annoncer père, si le papa va lui aussi annoncer père avec une probabilité Q, donc il va gagner 2. Et donc, en fait, il va gagner 2 fois Q. Maintenant, s'il si annonce impair, donc ça va être avec une probabilité m moins q. Et dans ce cas-là, il va gagner moins 1. Il va perdre 1. Donc il va gagner moins 1. Donc dans le cas pair, ça va être 2 fois q, 2 fois la probabilité que pair va se réaliser, plus moins 1 fois la probabilité que impair va se réaliser. Maintenant, pour le deuxième cas, lorsqu'il va choisir impair. S'il choisit impair, et si le père va lui aussi choisir impair avec une probabilité 1 moins q, donc il va gagner 1. Maintenant, si le père va choisir pair avec une probabilité q, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre moins 1. Donc c'est q multiplié par moins 1. Donc, pour calculer le gain du on est obligé aux mathématiques. Donc, on va multiplier moins 1, m moins q, plus m moins p fois 1, m moins q, plus moins 1 fois q. Est-ce que c'est clair la vision de la chose pour calculer le gain? Bon, en développant le polynôme, vous allez tomber sur p fois 5q moins 2 plus 1 moins 2q. Ça, vous pouvez le développer en calcul. Vous n'avez pas compris la logique. D'accord, je vais vous expliquer. Comme il est lui en stratégie mixte. Donc, ça se peut qu'il annonce pair, comme ça se peut qu'il annonce impair. Il va annoncer pair avec une probabilité P. Et il va annoncer impair avec une probabilité M moins P. Donc, dans la fonction gain, les deux éléments existent. Les deux éléments sont là. Parce que c'est un peut-être. C'est pas déterministe. Du moment que c'est un peut-être, donc, ça se peut que ce soit pair, comme ça se peut que ce soit impair. Donc, c'est une espérance mathématique. Si il annonce pair, il l'annonce avec une probabilité P. Donc, on va regarder cette probabilité P face à la réalisation de l'événement. L'événement va se réaliser avec une probabilité P. Mais l'événement de l'adversaire, qui est le pair, lui aussi, il peut annoncer pair avec une probabilité Q, comme il peut annoncer impair avec une probabilité M moins Q. Donc, je suis dans la probabilité P qui est face à la probabilité Q, M moins Q. Donc, même si je suis dans le pair avec une probabilité P, je suis toujours face au choix du pair qui, lui, peut associer à ses stratégies Q ou M moins Q. Donc, selon à ce qu'il a associé stratégie Q, je gagne 2. Selon à ce qu'il a va annoncer impair, le fils va perdre moins 1. Donc, au fait, il y a des événements qui se réalisent. Ces événements, chacun d'eux a une certaine probabilité. Par exemple, quelle est la probabilité que le père et le fils, en même temps, annoncent tous les deux père? Quelle est la probabilité? Ce sont deux événements bien sûr indépendants. Donc la probabilité de l'intersection, c'est le produit des deux probabilités. Donc pour qu'il annonce en même temps pair tous les deux, c'est quoi la probabilité? C'est quoi la probabilité qu'il annonce tous les deux pairs en même temps? C'est la probabilité de l'intersection de l'événement pair l'événement pair du
terre, l'événement père du père, terre, l'événement père du culpabilité. Q. Et donc, la probabilité que cet événement se réalise, c'est P fois Q, multiplié par le gain. Donc, c'est deux fois P fois Q. Maintenant, quelle est la probabilité que le père, le fils va annoncer père, alors que le père va annoncer va annoncer impair? C'est la probabilité P fois M-Q. Quel est le gain de cet événement? C'est moins 1. Parce que lorsque le fils va annoncer père, alors que le père va annoncer impair, le fils va perdre une pièce. Donc, il va gagner moins 1. Et il faut regarder toutes les situations possibles avec leur probabilité. En regardant toutes les situations possibles avec leur probabilité, on va multiplier avec le gain de chaque situation possible. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord, je vous en prie. D'accord. Donc, selon la réalisation de l'événement, merci. D'accord, il n'y a pas. Donc, selon la réalisation de l'événement, je peux calculer le gain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer les situations. Ou bien le fils va dire père, ou bien va dire impair. Mais ce fils qui a dit père, il a dit avec une probabilité P. Donc, il faut que je prenne en considération le fait que l'événement se réalise avec une probabilité P. Face à quoi? Face à ce que va dire le père qui est Q ou 1 moins Q, il va dire père ou impair, et je vais regarder toutes les situations possibles. Je fais de même pour le gain du père. Le gain du père, il va dépendre de ce que va annoncer son fils et en même temps de ce que va annoncer lui. S'il décide de prendre toujours un nombre de jetons qui est pair, avec une probabilité Q, que va-t-il se passer? Il a pris un nombre de jetons pair avec une probabilité Q. Son fils, il va peut-être dire pair, comme il peut ne pas dire pair, comme il peut dire impair. S'il dit pair, alors que lui, il a dit pair lui aussi, il va gagner moins 2. Le deuxième cas possible, s'il dit pair alors que le fils va annoncer impair avec une probabilité 1 moins p, il va gagner 1 parce que c'est le fils qui va lui donner une pièce. Et c'est comme ça qu'on va calculer les gains pour le père et pour le fils en utilisant les probabilités. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, en principe, je vais clore le cours. Donc là, on a vu que la fonction d'utilité a été déterminée à partir de la fonction d'espérance que vous avez étudiée en probabilité, qu'on va longtemps appliquer tout au long de ce cours, hein, tout au long de ce cours, tout au long de ce semestre. Alors, avant d'appliquer le concept de stratégie déterministe ou probabiliste ou incertaine, on doit d'abord modéliser un jeu. Je vous ai dit au début de ce cours qu'il y a deux types de modèles en général et qu'on va aborder dans ce cours. Il y a la forme normale et la forme extensive. La forme normale, elle suppose que les joueurs agissent une seule fois et de manière simultanée et indépendante. C'est-à-dire, comme dans un jeu de cartes, tous les joueurs posent leurs cartes en même temps. Ça, c'est la forme normale. La forme extensive, c'est lorsque on modélise un jeu de manière séquentielle. C'est comme le jeu c'est comme le jeu d'échecs. C'est comme le jeu d'échecs. Chacun des joueurs doit énoncer, doit faire une action, faire bouger un pion pour que l'autre joueur puisse faire jouer le pion de manière séquentielle et de telle sorte à ce que chacun des deux voudrait bien sûr gagner la partie du jeu. Donc voilà. Donc dans les chapitres qui suivront, nous allons détailler le jeu sous forme normale et j'espère avoir quand même le temps de faire les jeux sous forme extensive. Donc ce qui clôt le cours d'aujourd'hui. Demain donc on aura cours inchallah à 8h30, d'accord? Donc demain on va avoir cours à 8h30. Donc là j'arrête le partage. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous envoyer le cours, hein. Je vais vous envoyer les slides. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire?
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Madame, il y a une question dans le chat. Ah, je la vois pas. Hein. Attendez, il faut que je... D'accord, je vais ouvrir. D'accord, je vais vous expliquer rapidement le théorème que vous devez démontrer. Dans le théorème, qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous avez un ensemble lorsqu'on a des inférences qui sont rationnelles. Rationnelles, maintenant, il vérifie les deux conditions qu'on a faites tout à l'heure, c'est-à-dire la complétude et la transitivité. C'est-à-dire, chaque fois que je vais prendre deux alternatives, je peux toujours les comparer. Ça, c'est ce que j'appelle la complétude. Maintenant, la transitivité, si X elle est préférée à Y et Y préférée à Z, X doit être préféré à Z, ce qui est logique. Sinon, ce n'est pas logique. Alors, si j'ai une fonction, une préférence rationnelle qui est définie sur un ensemble qui, lui, il est dénombrable ou fini, fini ou dénombrable, alors je peux associer une fonction d'utilité qui coïncide avec cette préférence. Wuchmanta, elle coïncide avec cette préférence. Ça veut dire que si je préfère l'alternative A à l'alternative B, il faudrait que U de A soit supérieur ou égal à U de B. Alors le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Dès que l'ensemble est dénombrable, je peux construire cette fonction. Donc en fait, ce que veut dire préférence faible, c'est ça? Une fonction de préférence faible, c'est une fonction qui vérifie la complétude et la transitivité. La complétude et la transitivité. La complétude, j'ai deux alternatives différentes, je peux toujours les comparer. La transitivité, si une préférence A est meilleure que B, B meilleure que C, il faudrait que A soit préférée à C. Cela va dans la logique. Donc, il faudrait qu'elle soit rationnelle. Elle soit rationnelle, elle doit vérifier complétude et transitivité. Maintenant, une fois que cette préférence vérifie ça, je peux lui associer une fonction qui coïncide avec elle. Je peux lui associer une fonction qui coïncide avec elle, à condition que l'ensemble, où il soit x, il soit fini, ou bien qu'il soit dénombrable. Ou bien qu'il soit dénombrable, c'est-à-dire que je peux le dénombrer, il peut s'écrire sous la forme x1, x2, jusqu'à xn. D'accord?